Là, on a 1, là, on a 13. Et au milieu, on a 7. Donc les Mayas appellent ce nombre le nombre mort. Parce qu'en fait, c'est un nombre qui est à l'équilibre. Il n'y a pas de mouvement vers le haut, il n'y a pas encore de mouvement vers le bas. Typiquement, en fait, les Mayas font leur rituel le jour 8, le jour juste après. Et en fait, ils en font jusqu'au jour 9, mais après, ils arrêtent parce que pour eux, entre 10 et 13, les jours sont trop puissants et ne sont pas, bons pour faire des rituels. Et typiquement, les rituels des chamans mayas se font le jour 8. Ils évitent le jour 7 parce que c'est un jour d'équilibre, un jour statique, en fait. Donc, si on compare ça... Si on reprend notre vision ammoniale, en fait, on peut dire que là, on a 6 ouignales qui représentent un peu le passé. On a l'ouignale 7 qui est l'ouignale du présent. Et derrière, on a 6 ouignales qui sont les ouignales du futur. Typiquement, l'ouignale 7 qui est le milieu du Tzolk'in est le bon moment pour faire le point, quoi. Pour voir ce qu'on a fait pendant les jours avant et ce qu'on va faire pendant les jours après. Donc ça, c'est la vision en ouignale. Maintenant, si on fait le contraire, si on les met dans l'autre sens, si on prend les 13 jours, là, les 13 premiers jours, et qu'on les met à l'horizontale, on a ce qu'on appelle des 13 N, ou en espagnol les 13 Sena. C'est-à-dire que c'est un groupe de jours qui se caractérise par chaque jour à un nombre différent. Donc on a de 1 à 13. Et donc chaque 13aine a une énergie qui correspond au glyphe de jour du premier jour. Donc il y a la 13aine de l'imix, la 13aine imix, la 13aine de la source primordiale, la 13aine du jaguar, la 13aine du cerf. Je suis le calendrier maya en regardant quel est le jour, en regardant quel est le glyphe ou le nom et tout ça. On peut se mettre en accord avec le tout système. Tout le système que j'ai décrit là de processus évolutif. Et tout ça se mélange. Donc on a à la fois les ouignales, les tracénas et la qualité ponctuelle du jour. Aujourd'hui le AAO, en fait, c'est le début de la tracéna AO. Le début de la tracéna de la lumière. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre en rapport les dates grégoriennes avec les dates mayas. C'est des calendriers qui sont disponibles sur le site. Donc, là, on voit que le 1 AO, là, on est là, le 22 mars. Et donc, c'est un moyen simple, si on veut, de pouvoir suivre les différentes... de savoir quelle date maya... ce qui n'en est par rapport à la date grégorienne. Et par exemple, pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit, justement? Le 1, c'est l'unité, le AO, c'est la lumière, c'est l'unité de la lumière. Donc c'est une bonne journée pour la méditation, pour... C'est des énergies qui sont faibles. Le 1, de 1 à 6, plus le nombre est petit, plus c'est faible. D'accord. C'est plus le début de quelque chose. Quelque chose qu'on veut mettre en route, on peut utiliser cette date-là, par exemple, alors. Ça est bon, ce qu'on veut mettre en route. Mais quelque chose qui est dans l'unité. Typiquement, AO, c'est la création, c'est l'idéal. Donc si on veut... AO, ce sont des jours dédiés typiquement à la création SDO. Le 4, c'est-à-dire le vent, c'est un jour de communication. La graine, c'est un jour plutôt dédié au nouveau départ. La nuit, c'est plutôt un jour propice à l'introspection. Le léopard, c'est plutôt dédié aux intuitions. Et
Avec l'obsidienne, c'est plutôt un jour dédié au choix. Donc sur ton site, tu as fait le rapprochement de chaque journée grégorienne bah, avec les journées. Sur le site, il y a les calendriers et la description de tous les gifs. C'est intéressant. Après, il suffit de mêler tout ça. Quoi. Oui, vous l'avez testé, vous, personnellement, ça fonctionne? Oui, ça fait. Moi, je suis depuis plus d'un an. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des choses intéressantes qui se passent. On le verra tout à l'heure avec le concluant. Et c'est à valeur personnelle ou c'est à valeur de collectif? Parce que c'est un calendrier.